C'est juste ça roule. Ouais, y a vraiment pas mal de civils, hein. Que vous faites, monsieur? J'ai besoin de toi. Vous me faites peur là quand même. Comment ça vous avez besoin de moi? Vous m'emmenez où, monsieur? Je vais t'emmener là. J'ai un otage. J'ai un otage avec moi. J'ai un otage. J'ai un otage. Monsieur. Oui. Ta vie, quelle valeur? Beaucoup de valeur. 1 euro, ça fait combien? Quoi? 1 euro, ça fait combien? Deux millions, oh non, plus que ça. Dix. Ah, 10, c'est pas mal. 10 millions déjà, ouais, c'est cool. Hein. Et ton prénom, que je donne ton identité au gendarme. Peter Grand. Donc je vais chercher. Attends, je vais aller appeler les gendarmes et tout ça, mais dans mon coin, quoi. Je connais ta position et tout ça, donc aucun problème. Je pense que je vais demander 4 ou 5 millions. Oui, bonjour, je m'appelle Carl Johnson, vous connaissez? Bonjour, j'ai un otage. J'ai un otage, je veux 5 millions sur mon compte en banque. À 17h15, si j'ai pas les sous, je vais l'abattre. Je vous envoie une petite image et une petite photo de lui, comme preuve que j'ai l'otage. De ce moment-là, je suis actuellement avec le Premier ministre, ne va pas être possible, donc je dois vous le déposer en main propre. En main propre? Donc, déjà de une, avoir la certificate, enfin la certitude que l'otage va bien. D'accord, là je suis actuellement avec le Premier ministre, je suis en train de discuter avec lui. Donc, je serai obligé déjà de une de vous venir vous voir, voir comment l'otage va bien. Si l'otage va bien, d'accord. Et si les 5 millions pour vous aussi vous les donner, je les aurai dans une mallette. Ah ouais, ça c'est cool ça. Donc, vous êtes le négociateur, c'est ça? Actuellement, je suis plus au gradé de la gendarmerie de présent. Donc, soit vous me donnez une position et je viens vous voir, monsieur Johnson, et il n'y a pas de souci. Mais je crois que vous n'avez pas compris aussi que vous avez un mandat d'arrêt qui a été réalisé, vous avez payé 4 580 000 et vous recommencez votre bêtise. Ouais. Vous savez que vous en pourrez deux fois plus. Oh non. Bon bah du coup ce sera 10 millions la rançon. Ah mais 10 millions maintenant pour un seul otage. Ouais, bah ouais, avec ce que vous venez de me dire, du coup. Bah non, maintenant je veux 10 millions maintenant. Ah non, ça s'arrête à 5, monsieur Johnson. Moi je vais l'abattre. Je suis dans l'obligation de l'abattre, hein. Vous refusez de coopérer. Monsieur Johnson, c'est vous, on a été compréhensif. D'accord, mais comme je vous l'ai dit, moi c'est si je vois pas l'otage, il y aura pas de, je marchande pas avec, je vais pas demander au Premier ministre de me sortir de l'argent. Bah je vous envoie une photo de, une photo de l'otage. Le Premier ministre, il n'y a aucun problème pour essayer de sortir la rançon que vous souhaitez. Mais pour ça, il me faut une position que je vienne voir comment va l'otage. Il va bien. Hein. Il y a aucun problème. Bah, écoutez, Monsieur Johnson. Soit vous vous posez quelque part, moi je vous rejoins. Là vous êtes où là?
Comment ? On a un point de rendez-vous, il n'y a pas de soucis. On se donne un point de rendez-vous et on se retrouve, aucun problème. Bah, je vous prends dans l'hélico, je vous amène et je vous redépose quoi. Après, c'est comme vous voulez, ce Johnson, mais le problème c'est que moi je montrerai pas avec quelqu'un armé. Parce que ça voudrait dire que si je monte avec vous, monsieur Johnson, il y a une possibilité que vous me preniez en otage aussi. Ouais, ça c'est possible ça. Il vaut mieux qu'on se donne un point de rendez-vous, on se retrouve sur le point de rendez-vous et il n'y a aucun souci. Avec l'otage ? Ouais, oui, il n'y a aucun problème, oui, avec l'otage. Si vous voulez vous mettre dans une maison, vous barricader dans une maison, il n'y a aucun problème. Ah oh, non. Moi je suis mobile. Hein. Je vais l'attacher dans mon hélicoptère. Hein. Donc je bougerai pas de l'hélico. Hein. Ouais, y'a pas de soucis. Y'a aucun problème. Donnez-moi juste une position et je vous rejoins. On va se retrouver. Attendez, je décolle. Je suis en train de. Je vous appelle depuis mon hélico là. Je décolle. Hein. Une seconde. Ouais, y a pas de... Je me mets en vol stat. Alors, de ma remarque, je vais pouvoir chercher une zone sympa. En 0.71. 194. Ouais, je serai là en hélicoptère avec l'otage à bord. Exactement. Vous voulez pas hein, les sous hein. 10 millions. Ok, c'est bon, j'avais écouté, je vous retrouve. Allez, à tout de suite. Tout de suite. Vous allez être libéré bientôt. J'espère. Bon, du coup, c'est 10 millions. Hein. C'est exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure. Hein. Ça va être 10 millions. Ah bon? Ça va, c'est que ma vie coûte cher. Je vais te libérer. Tu rangeras ton flingue dans ton sac à dos. Il est déjà dans ton sac à dos normalement. Ouais, normalement. Voilà. Mets-toi sur le banc. Essaye de te mettre à l'extérieur de l'hélico. Normalement, il y a un banc en fait. Ouais, voilà, comme ça. Ça marche. Ils arrivent, je les aperçois. Et où ça, je les vois pas. À la gauche, dans la forêt. Ah, oui. Vas-y, appelle-le. Tu te dis, tu te présentes, tu fais, je m'appelle Peter Grund. Ouais. Remarque, c'est peut-être pas la peine. C'est peut-être pas nécessaire. Voici l'otage. Il est là, l'otage, vous m'entendez là? Il s'appelle Peter. Peter Grund. Grund. Ouais. Oui, c'est ça. Vous avez le pognon? Le pognon, là. Je veux l'argent tout de suite, là, on se dépêche. Ouais, allons-y pour 5 millions. Hein. Je vais contacter tout de suite.
bouge pas, l'otage. Je suis à deux doigts de faire une rafale, là. Je vais pas mourir. Parce que je suis pas content, là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est ok pour les 5 millions, et il faut juste attendre 5 minutes le temps que la banque accepte le retrait d'argent. Ok. 5 minutes, il a dit. On attend 5 minutes. Je n'ai pas l'air très pressé pour un civil. T'aimes vraiment me jeter de l'hélicoptère, monsieur? Ouais, si. Dès que j'ai l'argent, je te mets près du sol, tu t'éjectes. Quand je te le dirai. Si j'ai pas l'argent, on prendra un peu plus de hauteur et je t'éjecterai aussi, quoi. Oh non, s'il vous plaît, on peut s'arranger. Je vais pas mourir, moi. Non, mais moi je veux de l'argent. Il y a d'autres moyens pour avoir de l'argent. Ouais, mais je savais pas quoi foutre dans mon hélicoptère. Je me suis dit, tiens, ça serait une bonne façon de le rentabiliser, de lui trouver une utilité. Oui, allô ? Oui, 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 oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, c'est une histoire folle, mais... Eh, t'entends ça, Adri... comment tu t'appelles? Eh, Peter! Il s'appelle Peter, l'otage. Et les gendarmes, il s'est fait braquer, le mec, le négociateur avec, avec l'argent. Sur la route, il s'est fait braquer. Oh non. Seul, d'ailleurs, c'est pas vos collègues. Non, non, je suis tout seul. Bon, bah, faut être patient. On va prendre davantage de hauteur. Non, non. Ah, si, si. J'étais au sol. Oh, parce que là, j'ai juste à mettre un coup de pied, puis tu tombes. Hein. Non, ça sera pas nécessaire. Moi je te pousse dans le dos là, à mon avis là, il y a des rochers, tu vas être aplati comme une crêpe. Je suis monsieur Peter Grand. Je suis l'otage sur l'hélicoptère. J'ai peur là, très peur. Ah mais là... Là, j'ai le vertige, monsieur, il prend de plus en plus d'altitude, il perd patience. J'espère, j'ai vraiment peur. Je vais te pousser dans le vide, mon gars. Non, me poussez pas, monsieur, non. Perds vraiment patience, monsieur. D'accord. Ça va mieux comme ça. D'accord. Tout de suite. Allez, redonne-moi le téléphone, raccroche. Je vous le rends. Faut attendre 5 minutes. J'en ai ras le bol! J'en ai ras le cul! Vous savez, au sol, ce
serait aussi mieux. Là, le vertige plus le tournis. Voilà, j'en ai marre là. Ah, enfin. On va retrouver les deux pieds sur terre. Où est le pognon? Je l'ai actuellement dans mes mains. Approchez! Partez l'otage de l'hélico s'il vous plaît. Vas-y, descends. Monsieur Guillaume, venez à côté de moi s'il vous plaît. Voilà, maintenant le pognon! Allez-y, allez au niveau de la voiture. Je vais vous donner l'argent. Juste si vous pouvez me tendre votre bras pour que je vous donne. Ouais, vas-y, donne-le de l'argent. Ouais, là j'ai reçu de l'argent là. On sonne dans ta gueule! J'ai 5 millions sur moi et j'ai les flics au cul. Oui, je suis en hélico. Ils m'ont donné 5 millions pour que je leur donne un otage. Et là, ils me poursuivent avec leur gros hélico. Vers la zone traitement de maître, champignons, tout ça. Oh oui, je suis large. Un seul. Oui, allô? Yo Karl, comment ça va? Très mal. Ça va, t'es occupé là? Carrément, j'ai un hélico de flic au cul et j'ai 5 millions sur moi. Ah putain de merde. Ah, j'avais besoin de discuter avec toi. Bah, tant que j'aurais pas semé les keufs là, je suis un peu dans la merde. Ouais. Tu peux me rejoindre sur Cavala? Bah non, je peux pas aller sur Cavala, j'ai pas l'autorisation. Je suis en hélico. Tu peux me repasser un coup de fil quand t'es dispo? Ok, ça marche. Vas-y. T'as dit quoi, Auré? Non, ils me suivent seulement. Deuxième, non, c'est toi qui viens de passer avec eux.
Je me prends des tirs quand même, mais je sais pas d'où ça vient. Putain, j'ai deux hélicos au cul maintenant. Ah la vache. Tout va bien, impeccable. Juste un petit crash. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pompiers. Sorti. Ouais Carlito. Salut Bobby, t'es où? T'es encore à Cavala ou pas? Ouais, je suis à Cavala, tu fais quoi? Il y a moyen que tu viennes me chercher, je suis pas loin mais je suis à pied, en panne. T'es où? Vas-y, t'es où? Toi sur le bord de la route? Ouais. Putain, heureusement que j'avais un gilet. Vas-y, monte mon pote. Attends, tu veux que je te soigne peut-être? Tu peux mettre les pansements dans la voiture comme ça, pendant que tu roules, je peux me soigner en même temps. C'est bon. Ça ? Ouais, tu peux m'emmener à l'hosto à de Cavala. Oh, ce truc de fou qui vient de m'arriver là. C'est passé quoi du coup? Bah, attends, vas-y, je vais couper le téléphone, ça sert à rien. C'est passé quoi du coup? Bah, j'ai pris un otage, je leur ai demandé 5 millions pour que je rende l'otage.
Ils m'ont filé les 5 millions, j'ai rendu l'otage, je me suis enfui en hélicoptère et là ils tirent dessus en direct quoi. Donc, toi t'as cramé de la tête aussi. Je suis enfui en hélico et tout. Au bout de 15-20 minutes, j'appelle un collègue à l'aéroport pour qu'il sorte un avion. Et j'avais deux hélicos de Cuffoffly qui me tiraient dessus de partout. Je me pose en 2 secondes à l'aéroport, je monte dans l'avion, je commence à décoller, là j'arrive à l'ESME. Puis là je viens d'atterrir ici. Mais l'avion a explosé, et moi je m'en suis sorti. Putain mais mec, toi t'es John Rambo toi mon gars. Je te jure, t'es un fou. Regarde, tonton, il vient trop chercher, tac, il t'emmène à l'hosto. Et c'est bon, t'es reparti, mon gars. Tiens, ça, c'est pour ta participation. Merci, mon pote. Sur 5 millions, t'es généreux. Le problème, c'est que j'ai une amende de 10 millions à payer. Avec ça. Ah ouais? Ouais. Comment ça, t'as une amende de 10 millions? Ils savent pas quitter, gros. Si, je leur ai dit, je m'appelle Carl Johnson. Pourquoi tu leur as dit? Pour qu'ils sachent qui je suis.